Maintenant, l'émission culinaire Cordon Bleu TV avec Dinar. Bienvenue au rendez-vous du vendredi, le rendez-vous de la joie, de la gaieté, mais surtout du goût. C'est le rendez-vous des plats vite faits et bien faits. Aujourd'hui, on va cuisiner du poisson à la provençale, un plat originaire de la province, une région de la France. Allez, venez les amis, c'est parti. Pour cette recette, il nous faut du poisson sol, des tomates fraîches, de l'oignon, du sel, des olives noires dénoyautées, du poivre, des olives vertes dénoyautées, du thym, des feuilles de laurier, du vin et de l'huile d'ylang. On va d'abord émincer nos oignons. Alors, petite astuce les amis, pour émincer l'oignon, d'abord pour couper l'oignon en deux, vous posez le pouce comme ça. L'index de ce côté, vous passez le couteau juste au milieu, vous voyez que c'est très facile. Et voilà, votre oignon est coupé en deux facilement. Ensuite, vous n'avez qu'à poser comme ça et vous émincez. Après les oignons, on passe à nos tomates. Elles sont fraîches avec une belle couleur rouge. Eh bien, c'est parfait les amis. On va les couper en dés et c'est la même astuce. On pose la tomate, on passe le couteau comme ça. Et voilà, il ne reste plus qu'à couper le haut de la tomate. Ensuite, on fait des lamelles. Et on a des dés. Après les légumes, on passe à notre poisson et celui qu'on va cuisiner aujourd'hui à la provençale, c'est le poisson sol, un poisson faible en matière grasse, donc bon pour la ligne et sa chair tendre, délicate, d'une blancheur incroyable et savoureuse. Oh là là, du coup je me transforme en poétesse là. Et bien c'est ça, lorsqu'on est face à des ingrédients fabuleux comme le poisson sol, on parle. Allez les amis, on va poser notre poisson sur la planche comme ça et on le coupe en deux. Et bien une fois que c'est fait, on va le réserver juste à côté et on passe à la cuisson. On va d'abord mettre dans notre casserole l'huile d'ylang, notre huile de qualité supérieure, riche en vitamines A et E. Elle est sans cholestérol et grâce à elle, nous avons la garantie d'une alimentation équilibrée et saine pour toute la famille. C'est très important les amis. Allez, on va mettre un peu d'huile d'ylang dans notre casserole. Voilà. Une fois que c'est fait, on ajoute l'oignon. Et on va laisser le tout revenir pendant 2 minutes. Quel bon parfum les amis. Eh bien, les 2 minutes sont passées. On va ajouter les tomates, les olives noires, vertes. On mélange un tout petit peu. On a une belle couleur, oh là là, ce plat sera savoureux. Un peu de thym pour parfumer le tout, une feuille de laurier également. Ensuite, on arrose avec notre vin blanc. Voilà. On n'oublie pas de saler et de poivrer. Allez, hop. Voilà. Et maintenant, on va mettre par-dessus le poisson. Mmh.
On va couvrir et laisser poursuivre la cuisson jusqu'à ce que le poisson cuise. Et bien, comme vous le constatez, les amis, cette recette est super simple. C'est un plat vite fait et bien fait. Pour faire du poisson à la provençale pour 4 personnes, il nous faut du poisson, des tomates, 2 oignons, 200 g d'olives noires et vertes dénoyautées, du vin blanc, du thym, une feuille de laurier, du sel, du poivre et de l'huile d'ylang. Dans une bonne assiette, il y a de la couleur, de la texture et du goût. Le choix des ingrédients est essentiel. Et surtout, il vous faut une huile de première qualité, qui ne laisse pas d'arrière-goût, ni de dépôt sur vos plats. Une huile limpide et raffinée, qui conserve le goût naturel des aliments et met en valeur leur saveur. La qualité d'Inor, ça se voit. Le thym séché a un pouvoir aromatique 3 fois plus fort. Alors je vous conseille de l'utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire avec modération. Mes très chers amis, imaginez ce poisson avec les légumes accompagnés de pommes de terre, vapeur ou de riz que vous dégusterez ce week-end. Ce sera fabuleux, délicieux, juste parfait. Eh bien, essayez la recette. Et régalez-vous parce que c'est un vrai régal. Et moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt avec Cordon Bleu TV. Bye bye, bon week-end. L'émission culinaire Cordon Bleu TV avec Dinard.